Vous avez encore faim, les filles? Non, merci, Madame Gérard. On va être en retard. Faut qu'on se dépêche. Hey! Vous avez vu? Le braqueur fou a encore frappé. Quoi? Oh, excusez-moi, vous permettez? Écoutez, nouvel exploit du braqueur fou en région parisienne. Il a cambriolé une crèmerie hier matin et s'est emparé de la caisse après avoir attaché la crèmerie à son mari. C'est son 18e cas en moins de 15 jours. La police n'a aucune piste pour l'instant. Bah oui, il y a des fous partout. Hein. Vous vous rendez pas compte? 18 cas en 15 jours. Ah ça, il doit pas chômer, hein. Non mais, vous vous rendez pas compte, c'est terrible. S'ils décident de nous rendre visite à la cafette et qu'ils nous prennent en otage. Voyons, il y a une chance sur 100 000 pour qu'ils s'attaquent à vous. Une chance de trop, hein? Oh, mais voyons, vous en faites pas, les filles. Et si on n'allait pas travailler? Mais enfin, vous n'allez pas céder à la panique. C'est vrai. Vous avez raison, hein? On va aller au travail. Ah, d'accord. Allez, au revoir, les filles. Okay. Bon courage, merci. Hein? Bonne journée. Merci. Ah, salut. 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 Bonjour, Annette. Bonjour. Salut. Annette, qu'est-ce que tu veux pour ton petit déjeuner? Rien. Et qu'est-ce qui t'arrive, Annette? Ça va pas très fort. Enfin, c'est la boutique. Bah, je croyais que ça marchait très bien. Bah oui, moi aussi. Ouais. Au début, ouais, ça marchait super bien, même. Il y a eu un espèce d'engouement pour cette boutique au début, et puis maintenant, plus personne ne rentre pour acheter. Si ça continue, je vais être obligée de fermer à la fin du mois. À ce point-là? Ouais. Chez Annette, on n'aura vécu que 3 semaines. Je suis désolée, monsieur Gérard, mais je suis obligée de vous le dire. C'est vraiment trop bête, mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? J'ai bien une idée. Voilà, c'est vous, monsieur Gérard. Moi? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Vous avez un esprit tellement créatif. Oui, c'est gentil, merci, mais bon... Vous pouvez trouver une idée. Moi, je vais vous laisser, hein, parce qu'il faut que j'aille travailler. Au revoir, mon chéri. Bon courage. Ah ouais. À ce soir. Au revoir. Bon, bah alors, vous avez trouvé une idée? C'est-à-dire que, Annette, là, tu me prends un peu au dépourvu, hein? Bah oui, mais avec votre imagination, ça devait être facile pour vous. Mais enfin, comme ça, c'est pas évident, Annette. Bon, vous savez ce qu'il faudrait? Ce serait qu'on en parle à la télé. Ah oui. Et comment tu comptes t'y prendre? Bah, vous connaissez des gens? Bah oui, bien sûr, mais enfin, je peux pas leur demander de parler de ta boutique comme ça du jour au lendemain. Non, mais ils s'inquiètent pas, hein. Moi, je leur ferai des super prix, hein. Non, mais Annette, enfin, ça marche pas de cette façon. Il y a une autre solution. Ah. Vous pouvez en parler dans Amour Toujours. Samantha vient s'habiller chez Annette. Oui, bien sûr. Oui, mais enfin, c'est quand même très délicat parce que je sais pas si tu es au courant, mais Amour Toujours, ça se passe aux États-Unis. Ben alors, elle vient s'habiller en France, puis c'est tout. Non. Annette, de toute façon, ce serait pas possible parce que ça serait de la publicité clandestine. Bon. Ben, très bien. C'est ce qu'il me reste à faire. J'ai plus qu'à mettre la clé sous la porte. Mais non, Annette, voyons. Enfin, écoute, j'ai pas dit mon dernier mot. Bon, écoute, si tu veux, je vais venir avec toi à la boutique et peut-être qu'une fois là-bas, sur place, eh bien, je serai un peu plus inspirée. Vous êtes vraiment formidable. Allez, on y va. Non. Ah bon. En tout cas, je voulais vous dire que s'il cherche un beau brin ténébreux, moi, je suis partant pour les photos. Vas-y, fonce, ça me gêne pas, rien. Enfin, c'est dommage que tu refuses 5 000 francs, c'est génial, écoute. Ah, je sais, non, mais c'est pas le problème de 5 000 francs. J'ai pas envie d'être un homme-objet, c'est tout. Bon, j'ai vu ce qui se passait avec Daniel et ses fans, là, qui couraient après, qui lui sautaient au cou. Non, ça me branche pas, je t'assure. Mais je serais là pour te protéger, hein. Et puis tu sais que si t'as besoin d'un petit coup de main, je suis là. Attends, pardon. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bah, rien, je plaisantais. Ah, mais c'est vachement drôle. Oui, bah, je plaisantais, quoi. Bon, non, mais sérieusement, Luc, tu devrais accepter. Je devrais, hein. J'en ai pas envie du tout. Bon, d'accord. Virginie, je crois que là, on a tout essayé. Bon, bah, je vais téléphoner à Dominique pour lui dire que tu peux pas faire les photos. C'était une bonne idée, ça. Je vais t'accompagner. Je sais pas, j'y vais. Sois sage.
Comme un ange, fais-moi un bisou. Dis donc, ouais. Amoureux, là. Franchement, je trouve que quand même que tu fais le difficile, hein. Séance photo à 5000 francs, non mais attends, moi je le ferai tout de suite. Mais ouais, et en plus je suis sûr que si t'en parles à monsieur Laplace pour qu'il te laisse une petite journée de repos sans te la décompter, il va accepter. Mmh. Hein, et en plus ça lui fera de la pub gratuite pour la salle de sport. Eh ouais. Alors lui. Ouais. Stop, n'insistez pas, ça ne me dit rien, ok? Ah, ça, okay, va, okay, ça va, ok, t'excites pas non plus, oh c'est bon. De toute façon j'ai un cours, je vous laisse. À plus tard. Ok, à plus tard. Ah bah attends, mais qu'est-ce qui lui arrive là? Non mais t'imagines le plan? Pour les filles, pour la drague, mais c'est tip top. D'après toi, tu crois que je pourrais peut-être éventuellement le remplacer, non? Regarde, côté... Oui, enfin, écoute, je... Non, quoi, je veux pas te faire de peine, mais vous ressemblez pas vraiment, quoi. Ah ouais. C'est pas question de... Non, c'est question juste ressemblance, quoi. Bien sûr. T'as compris? Bon bah, Dominique est pas là, Luc est parti. Oui, il avait un cours, là, voilà. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Écoute, voilà, il y a qu'avec Virginie, on a réfléchi. Mmh. Et on s'est dit que, franchement, tu pouvais pas laisser Luc rater une occasion pareille. Ah bah, je sais bien, mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, moi? Bah, on s'est dit que tu pourrais peut-être lui parler. Ah. Mais moi? Pourquoi moi? Bah, parce que t'es son ami, tu vois, il t'écoutera forcément, hein? Ouais, bah, je veux bien essayer, mais d'accord. Bon... Merci. Mmh. Attendez, merci, merci. Pas sûr du résultat, moi. On aura essayé quand même. Mmh. Hein? Bonjour. Ah bah tiens, monsieur le photographe. Ah, salut. Ça va? Bah justement, je cherchais à vous joindre. Ah bah tu vois, j'ai deviné. Transmission de pensée. Il y a un petit problème, en fait. Ah bon? Luc veut pas faire les photos. Ouais. Bon alors, vous avez une idée? Attends, Ned, ça vient pas comme ça. Moi, il faut que je me concentre. Bah oui, mais pendant ce temps-là, il n'y a pas de clients, hein. Puis moi, je perds de l'argent. À chaque fois que je rentre dans cette boutique, je perds de l'argent. Faut que je paye l'électricité, les charges sociales, l'amortissement du stock et j'en passe. Ah, vous comprenez, pour moi, chaque minute compte, hein. Mais oui, mais je comprends, Ned. Mais écoute, moi, j'ai besoin de réfléchir. Ouais, mais... Moi, pendant que vous réfléchissez, là, vous pouvez pas faire semblant d'être un client? Quoi? Ah oui, parce que j'ai remarqué un truc. Qu'il y a déjà un client dans la boutique, ça attire les autres. Ah, d'accord, tu veux que... Ouais. Ah. Allô? Ouais? Quoi? Ouais, ok, j'arrive tout de suite. Oh là là, bah, il manquait plus que ça. Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Monsieur Rodriguez, vous savez, le cousin de Monsieur Ramirez. Ouais. Il est en train de faire un scandale à Monsieur Alfredo parce que je l'ai pas payé, il faut que j'y aille tout de suite. Ah non, mais attends, Annette... J'en ai pour 10 minutes. Vous inquiétez pas, comme ça, ça vous laisse le temps de réfléchir. Non, mais Annette, ne me laisse pas. Oh. Oh, quel ton. Bonjour. Bonjour. Ah, c'est chouette. Je peux avoir les prix de cette jupe, s'il vous plaît? Bien sûr, oui, oui. Celle-ci, oui, 75 francs. Ah, bien, voilà. Je peux l'essayer. Mais naturellement, oui. Merci. Je vous en prie. Voilà, c'est votre taille, très bien. Bonjour, bonjour monsieur. Mon rire. C'est la caméra cachée ou quoi? Mon rire ou je tire? Non, visiblement, c'est pas la caméra cachée. Plus vite que ça. Et monsieur, je voudrais vous dire que... Ta gueule, Minus. Où est la clé de ta caisse? Y a pas de clé. Tu te prends pour un cave? Tu sais qui je suis? Je suis Brature Fou. Alors on bouge pas. La clé, mate-toi! Et si c'était lui? Il vient ici tout le temps. C'est vrai? Oui. Et lui, derrière, regarde pas. Il est à la fac. Oh. Hein? Bonjour. C'est vrai qu'il a une tête de tueur. Qu'est-ce qu'on fait s'il nous braque? On lui donne la caisse, sans discuter. D'accord. S'il vous plaît. Prenez tout ce que vous voulez. Surtout, ne tirez pas. Vous avez combien? Oh. 22 francs, s'il vous plaît. Vous êtes sûr que ça va? Oh, oui, oui, oui. Un peu de surmenage, c'est tout. Salut. Allez. Ah, c'est malin. On va avoir l'air de quoi maintenant? C'est pas ma faute.
faut qu'on arrête de penser à ce braqueur fou, hein, avec joie. Sur le journal, ils ont pas dit qu'il portait un blouson noir? Je crois que oui. Oh non! Oh non. Bah salut, qu'est-ce que vous faites les filles, ça va pas? On répétait un petit danse. Oui. And you're smiling. Ouais, bon, on a du temps pour répéter. On peut manger un petit quelque chose là? Oui, asseyez-vous, on arrive. Merci. D'accord, merci. Pour moi, ça suffit, hein. Reprends-toi. Et toi alors? Alors, qu'est-ce que vous mangez? Moi, je vais prendre un club sandwich. La même chose. D'accord. Et comme boisson? De l'eau. Et un jus d'orange. D'accord. Bah, tout de suite. Merci. Tu sais, c'est vraiment dommage que ton copain ait refusé. Il a pas envie. C'est son droit. C'est son droit. Mais enfin, refuser 5000 francs. Je sais, mais ça lui plaît pas de faire des photos, c'est tout. Christiane va vraiment pas être contente. Elle va le prendre comment, à votre avis? Je sais pas du tout comment elle va le prendre. Mais je sais qu'elle va pas lâcher. Tu sais, quand elle veut quelque chose, elle l'obtient. Elle est comme ça, vraiment? Ouais. Écoute, on va pas s'inquiéter. Tu sais ce qu'on va faire? On va manger. Mmh. Puis après, on va aller au journal. On va la voir et comme ça, tu seras fixée. C'est tout. Bon, bah d'accord. Je vous remercie, en tout cas. Tu sais que tu peux me tutoyer. Oui, je sais, mais bon. À moins que je sois vraiment trop vieux... Non, c'est pas ça, non. Je sais pas, c'est tout. Bah écoute, on a travaillé ensemble. On va travailler ensemble. Donc, d'accord. Je vous tutoie. Vous me tutoyez? D'accord. Merci. Voilà. Merci. Mais c'est pas possible! Où tu le caches, ce pognon? Mais je vous dis qu'il y en a pas... Il y a pas de fric dans cette boutique? Non, vous savez, en ce moment, les affaires, ça marche pas fort. Hein. Bon, écoute. Tu me prends pour une truffe ou quoi? Mais non. Où est le fric? Oh, mais il est là, dans la caisse. Mais il n'y a pas 100 balles en pièces de 20 centimes dans la caisse. Tu te fous de moi? Mais non, je vous jure que non. Écoute, Minus. Je sais que les temps sont durs. Mais je sais aussi que les commerçants mettent toujours de côté. Alors où tu caches ton pognon? Non, mais je suis pas commerçant. Ah ouais? Qu'est-ce que tu fais dans cette boutique? Eh ben, je rends juste service à une amie, c'est tout. Écoute-moi bien. Si t'essayes de m'avoir, ça va très mal se passer. Mais non, écoutez, je vous jure que je vous dis la vérité, je suis pas commerçant, et puis c'est tout, il y a que ça comme argent. Moi, j'écris dans la vie, alors voilà. T'écris? Ouais. Et t'écris quoi? Oh, Amour toujours, une série télé. Tu serais Roger Girard? Oui, c'est moi, pourquoi vous connaissez Amour toujours? Comment ça, si je connais Amour toujours? Je crois que j'ai jamais raté un épisode. T'as jamais remarqué qu'il y avait pas de braquage à l'heure d'Amour toujours? Ah bon? Merci. Merci, gentil. Ah, ça alors? Roger Girard? Une star? Eh ben, tu vois, c'est pas grave qu'il n'y ait pas de pognon dans la caisse. Ah ben, tant mieux, vous nous rassurez. Dites-moi, ça vous ennuierait alors de nous libérer tous les deux, là? Tu plaisantes, Jenny? Je vais pouvoir demander une rançon. Ah non, mais... Silence! C'est moi qui distribue les rôles. Et toi, tu serais pas la fille d'un roi du pétrole? Pas vraiment, je cherche du travail et mon père n'a qu'une petite retraite. Bon, pas pour toi voir. Alors, Roger. Oui, monsieur. On va appeler ta maison de production. Eh ben, pourquoi? Eh ben, pour demander une rançon. Ah, mais non, il n'en est pas question, hein. Le numéro. D'accord, je vous le donne tout de suite, oui. Eh ben, tu vois, je préfère ça. Alors, le numéro. Allez, on est à gauche, là. Je sais pas, excusez-moi, là, pardon. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est parfait. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Franchement. Oui. En fait, c'est pas facile de dire ça à un client plein de bonne volonté comme vous. Mais à votre place, je crois que j'arrêterai le tennis. Oui, c'est vrai, je ferai du basket, du volley. C'est super sympa comme sport, un sport d'équipe, bien. Non, et puis la balle est plus grosse, on la voit mieux. Hein. Ouais, voilà ce que je ferais, moi. Bon, ben, merci. Pas de quoi, hein. Attendez, bougez pas. Voilà, là, vous allez tout droit. Hop, c'est parti.
Oh, je te jure, il y a des jours comme ça où... Eh, t'en fais une de ses têtes, c'est à cause de... Hein, c'est... Un petit peu, ouais. Il y a des jours où je me dis je suis pas fait pour ce métier. Ça. Quand je te dis que t'aurais dû accepter la séance photo. Il va pas la lâcher l'affaire, là. Tu peux arrêter deux minutes, ouais. Non, mais c'est vrai, non, mais attends. Tu te rends pas compte de la chance que tu as? Moi, c'est pas à moi que ça arrivera, un truc pareil, quand même. Et dis-moi, Harry, tiens. Oui. Il y a trois jolies jeunes filles, là, qui t'attendent. À fond. Hein? Tu vas les servir? Ouais. Allez, va. J'arrive, mesdemoiselles, j'arrive. Ah. Oh, je te jure. Ouais. Ça va? Bon, qu'est-ce que t'as, toi? Ça va pas ou quoi? Rien, j'en ai marre qu'on me parle de ça tout le temps. Non, attends. Écoute. On t'a proposé 5000 francs pour cette séance photo, t'as refusé. Je crois que c'est normal que les gens se posent des questions, non? Ouais, je sais, ouais. Moi, à ta place, tu vois, je le ferai. Non, mais t'es pas à ma place. Enfin, si tu la veux, je te la laisse. Vas-y, prends-la, ma place. Franchement, je te comprends pas. Attends, je voulais pas t'en parler de Justine Hébergie, mais c'est pas par hasard que la rédactrice en chef m'a proposé ce job, quoi. Tu comprends? Quoi, non. Pas par hasard? Elle t'a trouvé mignon, c'est tout, tu vas pas te plaindre. Ouais, c'est ça, ouais. Ça plus loin que ça. La rédactrice en chef, justement. Ouais. C'est Christiane Alexandre. Tu sais, la nana à qui je donne des leçons de tennis, là, 35 ans, là. Ah oui, la celle femme, qui me fait du rentre dedans, là. La oui. Femme. Oui, c'est celle-là. Elle te plaît bien, celle-là, non? Mais arrête, ça n'a rien à voir. Non, pas du tout. Pas du tout. D'abord, je suis amoureux de Virginie, ça n'a rien à voir. Non, et puis elle se fout de m'avoir dans son magazine. Ça n'intéresse pas du tout. Non, ce qui l'intéresse, c'est de me manipuler, de jouer avec moi. C'est tout. Et alors? Et alors? On voit le bon côté des choses. On voit ton intérêt à toi. Tu vas peut-être devenir une vedette grâce à ça, alors arrête! Mais je m'en fiche de devenir une vedette! Moi, je veux pas avoir affaire à cette femme. Bon, écoute, moi, je comprends rien. Pourquoi te dire? Ça m'intéresse pas, le succès, d'accord? Ok. Ah, même la Virginie. Non, pas un mot. Non. Salut. Salut! Alors, comment s'est passé? Bien, bien. Bah, on dirait pas avoir ta tête, hein? Bah, on est allé voir Christiane Alexandre, la rédactrice en chef, et... Ah ouais? Et alors? C'est nous deux, rien du tout. Oh, c'est pas vrai. Enfin, je croyais qu'elle te voulait pour son reportage. C'est pas elle qui m'a choisi, c'est le photographe. C'est elle qui décide, c'est tout. Ah oui, bien sûr, oui. En tout cas, elle était très contrariée que tu veuilles pas faire les photos. Tu m'étonnes. Si Luc fait pas les photos, tu les fais pas non plus. Ah non, enfin, je veux pas qu'il les fasse à cause de moi. Les 5000 francs, là, comment tu vas faire pour les gagner, hein? Bah, je sais pas, je me débrouillerai, c'est pas grave. Ok, je vois. Ouais. Bon, ok, d'accord. Attends, stop. C'est bon. Je vais la faire, cette séance de photo. C'est okay? Vrai? Bah oui. Qu'est-ce que je ferais pas pour toi? T'es un amour, je t'aime. Merci. Je le retiens en otage dans une boutique qui s'appelle chez Annette. C'est ça, oui. D'accord. Allez, salut. Faut toujours être bien avec les journalistes, c'est un principe. Mais vous les appelez à chaque fois que vous faites un 15? Ouais. Comme ça, je suis sûr qu'ils déformeront pas ce que je dis. C'est important, la communication. Ouais. Ouais, mais s'ils préviennent la police. Eh ben, qu'ils viennent. Ça mettra de l'ambiance. Et puis moi, j'adore les feux d'artifice. Et j'adore vivre dangereusement. Ah bon? Elle en met du temps, ta femme. Ah ben, vous savez, elle doit d'abord passer à la production, et puis 1 million de francs... C'est même pas sûr qu'on les lui donne. Hein. Quoi? Tu crois que ton producteur pense que tu vaux pas 1 million de francs? Vous savez, monsieur Berdoulet est très dur en affaires. Hein, et... Oh, que dommage. Bah, pourquoi vous dites ça? Hein? Bah, parce que si je suis obligé de vous abattre, je connaîtrai jamais la fin d'Amour Toujours. À moins que tu me racontes la fin. Alors qu'est-ce qui va se passer? Bah, c'est-à-dire que... Mon flingue! Assomme-le, Annette! Bien joué. Bravo, Annette. Wow. C'est le braqueur fou, c'est ça? C'est le braqueur, oui. Dites, vous pourriez nous détacher, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Ah bah tiens, vous entendez? Ouais. J'en connais qui vont être contents. Hein. Ouais. Je vais aller les prévenir, ouais. Je vais leur dire que tout est arrangé. Ouais. Ah bah oui, mais... Et nous? Avant de nous quitter, je vous rappelle l'événement principal de la journée. L'arrestation du braqueur fou alors qu'il tentait de cambrioler une boutique de vêtements dans laquelle il détenait en otage Roger Girard, l'auteur d'Amour Toujours. Le journal est à présent terminé. Je vous retrouve demain à 20h. Bonne soirée à tous. Je vous laisse en compagnie de Sandrine pour la météo. Et voilà. Et
Vous vous rendez compte que je suis passée à la télé? Et tout ça, c'est grâce à vous, monsieur Gérard. C'est surtout René et René qu'il faut remercier. Hein. Attends, on va pas le remercier non plus. Il a kidnappé mon père et tu voudrais que je le remercie? Ah, mais maintenant, ton père est un vrai héros. Oh. Moi aussi. C'est moi qui l'ai assommé. Et ben ça, on va le savoir parce que t'arrêtes pas de le répéter. En tout cas, super, parce qu'ils ont fait un beau reportage dans la boutique. Là, au moins, on la voit, la boutique. Ça va, mon chéri, tu te sens pas trop mal? Non, ça va, ça va. Enfin, j'ai un petit peu mal au dos, quand même, là. Je vais te masser un petit peu. Voilà, je sens que je devrais me faire kidnapper tous les jours. Pas de malheur, j'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Oh, ma puce. Vous savez, monsieur Gérard, quand je vous avais demandé de trouver une idée pour la boutique, je pensais pas que vous trouveriez une idée aussi bien que ça, quand même. Non, parce que là, on va faire quand même la une des journaux avec ça. Écoute, je te le souhaite, hein. Bonjour. Salut. Bonsoir, les filles. Bonsoir. Qu'est-ce que tu fais là, Justine? Vous êtes pas au courant? Au courant de quoi? Monsieur Gérard a été pris en otage par le braqueur fou. C'est pas vrai? Quelle horreur! Ah non, non, mais rassurez-vous, alors qu'il est, il doit être déjà derrière les barreaux. Hein. Ah, vous nous avez fait une sépeur toute la journée. On a eu l'angoisse qu'ils s'en prennent à nous. Eh ben non, il a choisi ma boutique. Oh. Vous voulez continuer à regarder la télé? Non. Oh, la mort! Excusez-moi, les filles, je me suis trompée de bouton.